Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'est la vidéo avant-après de la cuisine avec l'évolution, puisqu'il y a plein de personnes qui n'ont pas suivi et qui voulaient savoir voilà vraiment les étapes, comment on a fait pour faire ceci, cela, sous l'escalier, enfin voilà, pour avoir un aperçu de ce que c'était avant. Donc du coup j'ai repris des extraits de mes anciennes vidéos et j'ai essayé de mettre bout à bout pour vous montrer vraiment les principales étapes. Je vous ai pas non plus tout montré, mais vraiment les principales étapes qui ont fait qu'on est arrivé à la cuisine qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, j'ai essayé d'être la plus claire possible. Si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'arrête de parler et je vous laisse du coup avec les images. Et la cuisine. Donc là, la cuisine, je vais vous demander beaucoup d'imagination parce que je vais vous expliquer pas mal de choses. Enfin, on va vous expliquer. Anthony, tu me reprends si je me plante. Donc là, de l'autre côté, on avait la buanderie. Et on vous a dit le mur, on va le fermer. Enfin, on va, voilà, on va enlever la porte et on va faire, voilà, on va refaire un mur. Ce qui fait que toute cette partie... En fait, la cuisine sera comme ça. Comment dire? Ça va partir d'ici, la cuisine. Ça sera une cuisine ouverte. Mais pas exactement pareil. Ça ne sera pas la même forme. Et du coup, ça sera salon... Enfin, ça sera cuisine et salle à manger juste là. Vous voyez? J'essaye de vous expliquer au mieux. C'est pas évident parce que bah, c'est pas fait encore. Donc forcément... Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, alors, soit on fait un petit manche debout par là, là. Je sais pas trop. On va voir avec les cuisinistes, parce que nous, on a des idées, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? On sait pas. Donc là, soit ils nous font un petit coin manche debout, soit on mange tout le temps dans la salle à manger. Donc, on sait pas trop pour l'instant. Ça, c'est le plan définitif, sachant que là, il y a une partie sur le côté que je vous ai déjà montré, que je vous remets quelque part. Enfin, ou juste après dans la vidéo. Donc vous voyez, bon, les tabourets seront pas de cette couleur, hein. Vous me connaissez, ils seront blancs forcément parce que là on a choisi une cuisine grise. Bon, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout, voilà, voilà, ça donne ça à peu près, donc enfin à peu près complètement. Bon, le sol ça sera plus clair, ça sera blanc gris et voilà. Vous savez tout en avant-première et on a hâte, franchement on a vraiment hâte parce que là actuellement nous avons ça. How? On est mal. Alors, le but de la journée, c'est de casser la cloison pour que cette pièce, juste ici, et celle-ci, n'en fasse plus qu'une. Je vais comme ça. Je vais mettre un casque comme ça. T'es sûr que ça va le faire? Surtout que Anthony, là, c'est terminé. Il se rase plus la barbe, rien, c'est fini. À partir du moment où il commence ses travaux, il ne touche plus à rien. Donc ça va être beau. Ça va être Anthony le sauvage. Ça, ça. On peut voir derrière. Et devant. C'est un nouveau système, donc je précise que tout ce que vous voyez dans nos vidéos, faut pas forcément le reproduire. Of obsession has never been this close, and the matter if I'd rather just lock myself indoors. I'm righteous, this virus no dog or pill can cure. This you got me right. How to restrain a heart. Ah, c'est digne des plus grands shows, hein Victor? Il n'y a que Victor qui veut regarder. Vache. Ah. C'est quoi ce cri? Ah, ça c'est une journée qu'on va... On va s'en rappeler. Arrête! Allez. Et on va voir plein de pouces en l'air pour Anthony! Non.
Bon, voilà. Petite pause à midi. Je vous montre un petit peu. Est-ce que je vous expliquais? C'est que, en fait, là... Enfin, c'est ce qu'Anthony m'a expliqué, parce que moi, franchement, je savais pas. Je voyais pas, d'ailleurs, que c'était pas pareil. Alors, attendez, je pose. Vous voyez, là, le mur? Le mur, ce mur-là, le mur de la cuisine, il est plus profond que ce mur-là. Ce mur-là, il a un renfoncement. Vous voyez? Il y a ça en plus. Ah là 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 là. Donc, sauf que il va y avoir un décalage du coup avec les meubles qui devraient être alignés. Donc, je sais pas comment ils vont faire. Ils vont faire un espèce de, enfin, ils vont peut-être cacher derrière avec quelque chose. Je sais pas du tout. Mais en attendant, voilà, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais donner le biberon à Inès. Elle a pas du tout pleuré. Bon, elle était pas en bas. Hein. Je précise, elle était là-haut, heureusement. Et là, j'ai ouvert en grand. J'ai fait des courants d'air et tout pour pas qu'il y ait encore de la poussière. Vont commencer. Oui, ça va être moins compliqué que ce mur-là, parce que du coup, il n'y a pas du tout de câblage, il n'y a pas d'électricité là-dedans. Donc, ça devrait le faire. Je vais mettre Anthony sur trépied. Et bon, puis... 10 minutes, c'est fait. 10 minutes, c'est fait. Ah, je tape dedans et c'est tombé. Has never been this close, and no matter if I'd rather just lock myself indoors, I'm righteous. C'est un peu plus concret comme ça. Parce qu'on avait peur avec Anthony, on disait est-ce qu'on aura suffisamment d'espace pour faire ce qu'on vous a dit, donc les caissons. Donc dans l'idée, Anthony va faire quoi? Ici, il va mettre une grande planche de placo. Ouais, j'ai tout recaché. Il va tout cacher en fait, si vous voulez. Tout l'escalier en bas, il va être caché. Mais au lieu d'être caché comme c'était là, ici là, ça va être caché à partir de là-bas. Ouais, là-bas à peu près. Là, vous voyez mon doigt? De la cale. Ouais, à peu près. Ouais, vas-y, montre-moi Anthony. À peu près de la cale. Là. À peu près de la cale. Voilà, ça va être caché comme ça. Ça va monter comme ça. Il y aura un mur, enfin, il y aura une planche de placo là. Et Anthony va essayer de faire un habillage ici, vous voyez, comme ça. Une planche qui va descendre de placo pour cacher le haut. Il y en aura plusieurs. Du coup, ouais, il va peut-être y en avoir plusieurs. Voilà, bon, on vous dit comme ça à chaud, hein, c'est un brouillon. Hein. C'est un brouillon. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc, des meubles bas. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas avec Mobalpa? Parce qu'on a eu l'idée après. Enfin, c'est une abonnée, je vous expliquais, qui nous a dit ça. In my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat fast, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong. C'est parti, mon kiki. Donc là, première étape. Ah, tu vas mettre des plaintes? Non, je dégonne. Tu mets pas de plaintes derrière, c'est? J'ai pas le temps de mettre des plaintes, j'ai pas le temps. J'en mets pas de plaintes, ça sert à quoi? Ça va te prendre de la place ou quelque chose? Là, je peux pas la mettre, elles sont là. Ça va, je peux la mettre. Là, je peux la mettre là, mais là, je peux la mettre. Arrête de faire le fou! Bon, concrètement, bon, il met pas de plainte alors? Ça sert à rien. Je mets pas de plainte parce que. Ah là là, quand il est comme ça. C'est... On va mettre du pied bas. Donc là, ça va être tapisserie. Pareil, sur partout pareil. Donc la velours. Elle est où la velours? Oh la velours. Ah oui, il nous en reste un petit peu. Donc on a retrouvé le même bain. Celle-ci là. Non, elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Bon, en vidéo, on voit pas. Donc bon, on voit pas du tout. On dirait blanc comme ça. Mais... pour le trouver. Elle est trop trop belle cette tapisserie là. Et on a aussi repris un autre rouleau de celle-ci pour mettre dans l'entrée. Non. Les meubles viennent d'arriver. Attention, ça ne rigole plus. C'est bon, tu vérifies? Normalement, il y a tout. Normalement. Et normalement, tout est intact. On...
hasta el cielo. Mala mía, si tú estás buscando un hueco, un día te dejaré mirando hasta el cielo. Se pone coqueta, que ese el novio ni lo respeta. Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. Septiembre, por ahí a las 6. Pa' tu casa y Netflix, solo a darle play. Era mexicana, me dijiste, wey. Mejor que mi novio, si tú que lo haces. Y empezó el contacto, nos fuimos al otro cuarto. Tú eres una novata y casa, mami, para ser sensato. Mami, porque a ti te parto. Llámame que soy tu gato. Yo no te voté porque hermosa en México soy tu se vato. Se pone coqueta, que ese el novio ni lo respeta. Waouh, ça avance! Bon, Anthony, c'est galère. C'est une galère. Qu'est-ce que c'est galère? Une galère sans nom. Ouais, ça fait. Il aurait fini depuis longtemps, normalement. Ah, mais... la journée entière pour goûter six tiroirs, c'est très très mal expliqué. Ouais, depuis tout à l'heure, là, il est en train de grogner, il dit que c'est mal expliqué, c'est pas bien. Je démonte. Ouais, il fait que ça. Il monte, il démonte. Donc. C'est mal expliqué. C'est. C'est galère. Mais sinon, c'est joli. Mais sinon, c'est pas mal. Oula, je vais faire un carnage. Franchement, c'est super mignon. Au niveau des moulures, c'est exactement, quasiment le même style que les moulures qu'on va avoir dans la cuisine à côté. Donc là, ça va être la partie un peu pénible, puisque ça va être la découpe. Donc moi, je vais aider Anthony, je vais tenir le plan de travail, et il va devoir le découper et faire une petite quelque chose comme ça, là, vous voyez, parce qu'en fait on a un petit rebord là, donc franchement ça va être vraiment tendu. Plan de travail installé. Non, sans difficulté, je peux vous le dire. Ah là 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 là, on a essayé de faire les mesures et tout, mais c'était un peu galère. Ici, les petites baguettes pour finir. Et les poignées. Et voilà, hein, je pense qu'on est pas mal là. Hein. C'est le grand jour. Hello. Bon. Ah, c'est bon, t'as retiré l'évier. Donc, le plan de travail, il est installé, mais je sais pas s'il est fixé. Vous voyez, je sais pas trop. Alors ça donne ça, il est marbré mais très très léger, vous voyez, pas un marbre trop gros, donc je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment comme ça, des petites taches par endroit, et vraiment ça j'adore, c'est hyper discret, et c'est ultra brillant, du coup, enfin bref, c'est vraiment quelque chose que je voulais énormément, parce que ça apparemment c'est vraiment très costaud, et à nettoyer ça va être le top, donc je suis hyper contente. Ici ce sera la plaque de cuisson, donc voilà, le plan de travail il l'a mis... Partout, ça passe pile poil sous la fenêtre. On prend en fin de journée le cuisiniste, enfin le poseur vient de partir. Et ça a quand même bien avancé, il a quasiment terminé. Attention, le coin repas, enfin le coin café par là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.